Bon, alors c'est Ben et Sav en direct de Nancy, barré par les policiers comme d'habitude. On va pas tarder à se faire flasher la gueule et gazer. Alors qu'on ne fait rien mal, c'est pacifiste et tout le monde reste tranquille. Vive la démocratie! En espérant qu'on ait moins de boulot qu'à Bar-le-Duc la semaine dernière. D'accord. Donc on verra bien. À Bar-le-Duc, vous avez eu... Bah là, alors, ouais, en 20 minutes, j'ai fait 4 interventions, les 20 premières minutes de manifestation. Aux informations locales et régionales, ils ont dit 2 blessés, alors que bon, il y en a eu beaucoup plus. On était 7 médics, j'ai fait 7 interventions, dont un papy qui a pris une grenade avec qui s'est fait ouvrir à la jambe. On a eu des tirs de flashball dans la tête, on a eu un tir de flashball dans l'aine. Le monsieur est parti par les pompiers, un monsieur âgé, dans un sale état. Sur des petites villes où il y a 15 000 habitants, c'est choquant, on n'est pas à Paris. Qu'est-ce que vous pensez en fait des tirs de flashball à la tête Tirs de flashball, c'est un grand débat. C'est des armes non létales, mais vu comment ils s'en servent, ça fait du dégât. Donc à savoir que les forces de l'ordre les utilisent justement pour disperser tout ça. Le truc, c'est que bon, il y a des réglementations. Hein. La réglementation dit qu'ils n'ont pas le droit de faire feu à moins de 10 mètres, alors qu'eux, ils s'en servent pour se défendre quand ils sont en face à face, mais ils n'ont pas le droit de tirer à moins de 10 mètres. Donc voilà. Et dans les cas que vous avez constatés, est-ce que c'était souvent de la défense ou c'était plus de l'agression ou est-ce que En fait, ça a toujours été injustifié. Je vois à Bar-le-Duc, trois petits cailloux qui ont commencé, ça y est, le monsieur, 80 ans, il a pris une grenade dans les jambes, ouvert à la jambe, c'était pas justifié. Pour 2 cailloux, c'est pas justifié. Après, il faut se mettre à la place des forces de l'ordre, hein, ils font leur travail. Hein. Ils font leur travail. Hein. Après, avec plus ou moins de... J'allais pas dire d'envie de... Ah, je trouve plus. J'ai pas mes mots. Vous voulez dire qu'il y a un peu le côté humain qui fait qu'au bout d'un moment, il s'énerve et il commence à... Ouais, c'est ça. Ça a été plus... En fait, là, sur Bar-le-Duc, spécialement, c'était plus un coup de panique de la part des CRS et des forces de l'ordre sur place que le reste. Ça, après, nous, on a discuté avec le commandant, très bien. On a même été protégés, entre guillemets, par les CRS quand on intervenait. D'accord. Là-dessus, non, ça s'est bien passé. Là, ça a l'air de bien se passer aussi. On a été se présenter aux forces de l'ordre. Au contraire, on a été, ouais, on a été bien reçus. Ouais. À côté de Paris, ouais, on a été bien reçus. Est-ce que vous avez des demandes éventuellement ou une page que vous pourriez communiquer pour au niveau du matériel dont vous avez Alors, besoin la page, voilà, c'est les médics. Vous trouverez sur Facebook. Donc oui, après pour le matériel, on est toujours en recherche de dons de matériel, parce que c'est vrai que dans le milieu médical, ça coûte cher. On est toujours à la recherche de dons. Voilà. D'accord. Donc tout ce qui est compresse, tout ce qui est matériel de premier secours. Hein. D'accord. Okay. Vous avez un autre message à faire passer éventuellement ou... J'espère que la manifestation va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de dégâts. D'accord. Humain. Ce matériel, je m'en fous un peu du matériel, je préfère que les gens soient en bonne santé. Avant, avec le gros Toumous, c'était pas mieux, puisqu'il nous avait déjà ponctionné pas mal. La CSG, on nous la prend en premier, on ne nous a pas demandé notre avis. Ça veut dire que, en gros, ça nous fait presque un caddie de commission de moins par mois, moi et ma femme. D'accord. Les violences policières, elles sont provoquées. Parce que quand on a fait le petit tour en ville, super gentil, beaucoup de monde, APK, les gens, ils disaient, c'est pas de la porte, les commerçants, ils nous ont vu regarder et compagnie, on n'est pas comme on voit à la télévision, on est beaucoup plus calme, là, on arrive à un moment, c'est bouché, on peut plus aller là, on peut plus aller là, il faut aller où c'est qu'ils ont décidé. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas rester pendant 2 heures là, vous allez voir, 3 sommations, puis après tout le monde va se faire gazer. Vu mon âge, j'ai pas envie de me faire gazer parce que c'est horrible. Je vais faire le tour avant qu'on arrive. Donc là, ça se transforme en chambre à gaz, comme d'habitude. Moi,
j'y suis allé à Metz, à Épinal. À chaque fois, on se fait gazer, les gens font rien, ils manifestent. Donc voilà, si on n'a pas la liberté de s'exprimer en France, eh ben, voilà, qu'est-ce qu'on dit ? On peut plus rien dire. Moi, je me lève tous les matins pour aller bosser. J'ai des parents à la retraite, ils se font décoter leur retraite. On peut rien faire, on peut rien dire. Vous avez la sensation qu'on n'est pas représenté politiquement ? Ah non, non, moi j'ai regardé, j'avais la chance d'être, ou la malchance, je sais pas, d'être hors pot le jour du débat de Monsieur Macron. Je suis désolé, tout ce qu'il dit, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le mouvement, il s'en fout des gens, quoi. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait changer les choses, en fait ? Moi, je pense que le RIC est pas mal, je me suis un peu informé là-dessus. Je trouve que c'est bien de faire parler, de pouvoir que les gens puissent s'exprimer, pas qu'une fois tous les 5 ans, ou alors même les référendums, ça n'existe plus, donc au moins on pourrait s'exprimer, quoi. Moi, je pense qu'il faut une augmentation des salaires pour tout le monde, parce qu'il y a trop d'inégalités en France et ça va plus, quoi. Il y a des gens qui, excusez-moi, qui se gavent, et puis d'autres eh ben, qui galèrent tous les matins avec des enfants ou pas d'enfants, ou même célibataires. Il faut que les gens soient payés à juste valeur, voilà. Ah, et puis qu'on cherchait la merde, du coup il y a de la merde partout. Tu fais gilet jaune, tu fais gilet jaune. 100% gilet jaune, ouais. Gilet jaune à Nancy aujourd'hui. Et ayant quitté la manif parce que ça devenait vraiment difficile à suivre, parce qu'on s'est fait gazer littéralement depuis la cathédrale, et j'ai arrêté au niveau de. Un petit peu en dessous de la fac, au-dessus de la fac de lettres. Et ouais, c'était difficile à suivre, et on a une pensée pour les malheureux qui sont en train de se faire courser et gazer jusque sur l'autoroute. On ne sait pas ce qui va advenir d'eux, puis ben, on verra bien ce qui transparaît sur les réseaux. Quoi. Mais c'est juste effrayant, littéralement effrayant. Et je me demandais en fait au départ, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir gilet jaune en fait ? Je pense qu'on est dans une époque où se jouent des choses importantes, et que si on veut se battre pour que nos enfants et les enfants de nos enfants aient un futur acceptable, il faut se bouger maintenant. Et c'est inespéré d'avoir un mouvement d'une telle ampleur, quelque chose qui soit vraiment français, où les gens se reconnaissent. Dans une époque aussi où on a vraiment une perte d'identité, de sentiments communautaires, les gens ne se reconnaissent plus dans la France. Mais en fait, on constate que les gens se reconnaissent tous dans ces gens qui ont du mal à finir leur fin de mois, qui se sentent spoliés, qui se sentent vampirisés par des gens qui n'en ont strictement rien à faire de leur avis. Parce que quand on voit les manifestations énormes et la répression incroyable qu'il y a pour des demandes qui ne sont pas si astronomique que ça, les gens demandent juste qu'on les laisse vivre au final, qu'on arrête de les pomper de tout ce qu'ils ont. On voit que si on ne raque pas, on se fait dégommer. C'est simple, et c'est tellement méprisant de la part des gens qui nous gouvernent, ou plutôt qui se servent de nous pour avoir ce dont eux ont besoin, clairement, que voilà, je suis gilet jaune, et je suis tous ces Français qui souffrent et qui ne sont pas certains du futur. Alors, on a constaté quand même que tout le monde se faisait gazer assez rapidement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la réaction policière par rapport à ce mouvement qui a l'air plutôt pacifique, finalement ? Plutôt très pacifique. En tout cas, de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, les gens étaient juste là. Et il n'y avait même aucune animosité, rien, aucune, même pas d'électricité dans l'air. Et les mecs ont sonné leur sirène et ils ont chargé. Ils ont chargé, ils ont gazé. Et quand on voyait la diversité de gens qu'il y avait aux alentours, c'est en plein centre-ville, il y a même des gens qui ne sont pas gilets jaunes qui sont concernés, des petites mamies, des enfants, je veux dire, tout le monde s'est littéralement fait gazer, sans raison. Donc les flics attaquent. Je veux dire, c'est pas du défensif. Il n'y avait rien qui s'est passé. Ils ont fait une offensive. Et de la première jusqu'à la dernière fois où je les ai vus nous gazer, ils nous repoussaient juste, ils nous courent après, et ils s'arrêtent et ils regazent, et voilà. Et c'est y a rien qui s'est passé de notre côté qui puisse justifier une telle violence. Et depuis le début non plus d'ailleurs, parce qu'on a vu que dans toutes les manifestations, c'est eux qui ont lancé l'offensive, et ils tirent dans la tête des gens avec des armes qui sont pas autorisées. Je dirais, imaginez ne serait-ce qu'une seconde si en Russie il se passait la même chose, si Poutine faisait la même chose aux Russes, la communauté internationale jetterait les hauts cris, ce serait la tyrannie, ce serait la dictature. Mais là Macron se balade dans un petit village de 4000 personnes et fait venir combien de milliers de CRS pour clôturer intégralement la ville, pour bloquer les gens, parce que c'est la vraie dictature, et pourtant personne n'en parle. Je trouve ça complètement ahurissant. Et en fait, selon vous, quelle serait la solution en fait pour retrouver une vraie démocratie, disons ? Retrouver une vraie démocratie, je pense que ça passerait déjà par retrouver une véritable souveraineté en tant que nation, parce que pour l'instant on voit que la France est clairement plus souveraine, elle est soumise au dictat de l'Union Européenne.
Macron est un oligarque et il gouverne comme un oligarque. Ces gens se foutent de nous. L'Europe, l'Union européenne se fout de nous. Et pour que le peuple revienne un peu au pouvoir, il faudrait déjà qu'on sorte, qu'on ait un Frexit, je pense. Mm-hmm. Et puis que Macron dégage, évidemment. Hein, mais ça, il n'a pas l'air de vouloir. Mais tout le monde veut que Macron dégage. Donc toute sa caste de banquiers, d'oligarques, ces gens qui nous haïssent et qui se servent de nous, tout ça, ça dégage. Et puis Rick, quoi. Rick, ça peut le faire aussi. J'espère que les gens qui nous regardent sont nombreux à réaliser que ces gens nous haïssent et que la France, la vraie, elle est dehors et elle se fait gazer, elle se fait matraquer. Il y a un truc que j'aimerais bien dire et que peut-être ça va hérisser certaines personnes, mais c'est pas important. Quand on regarde les déferlements de violences largement ciblées sur les policiers qu'il y a dans les banlieues depuis plus d'une décennie, depuis 2015, on n'a pas vu une seule fois un tel déploiement de force dans les banlieues pour une véritable violence, pour des presque des meurtres, pour des flics qui se font calciner vivants dans leur voiture. Il n'y a pas ça. Par contre, quand les Français sont dans la rue pacifiquement pour demander quelque chose qui n'est pas dramatique, on les gaze, on les matraque, on les éborgne, on les ampute. Je veux dire, c'est littéralement la guerre. Donc demandez-vous pourquoi est-ce qu'il y a un tel traitement de faveur. Je croyais qu'on était tous égaux, qu'on était tous la même, la fraternité, tout ça. Mais ça, c'est des beaux mots. Donc j'aimerais bien qu'on arrête de gazer le peuple français et que les Français qui peuvent être hérissés par ce que je dis réfléchissent un petit peu à pourquoi il y a un tel double standard et pourquoi on se fait traiter comme ça. Et selon toi, comment devrait évoluer le mouvement pour qu'on puisse finalement obtenir ce qu'on demande ? Je pense qu'il faudrait appuyer sur la partie économique, parce que clairement, ces gens ne jurent que par l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. C'est en bloquant l'économie qu'on les fait le plus chier. C'est les manifs à Paris qui bloquent les centres touristiques et le commerce et tout ça qui les font le plus chier. C'est pour ça qu'ils font en sorte qu'on ne puisse pas manifester à Paris, parce que ça leur coûte beaucoup trop d'argent et de réputation. Et tous les journalistes internationaux sont sur le coup pour filmer comment les manifestations vont être traitées. Donc même si à terme dans la rue, on se fait gazer, on est là, je pense qu'il faudrait s'organiser pour faire juste un boycott financier, déjà s'occuper de retirer son argent des banques, et aussi prendre des mesures au quotidien pour le moins financer leur système, parce que c'est comme ça qu'on les aura et pas autrement, parce qu'on voit bien que le rapport de force est complètement disproportionné, que de toute façon ils ont de quoi nous n***er la gueule, nos impôts payent pour les flashballs qu'ils lancent dans la tête de nos gosses, donc on continuera à payer pour ça. Donc boycott financier, et puis continuons de les emmerder de toutes les façons qu'ils soient, mais je pense que c'est la meilleure façon, c'est ça, quoi. Peut-être une grève aussi générale ou quelque chose vraiment de plus global J'ai un peu du mal avec la grève parce que ça a tendance à desservir les gens eux-mêmes qui galèrent déjà assez. Mmh. On voit, je pense, le seul affaiblissement qu'on pourrait par exemple constater pour les gilets jaunes, c'est que ça coûte des thunes de venir aux gilets jaunes. Les gens peuvent pas se déplacer déjà tous les samedis. Ils se déplacent pour dire qu'ils ont pas de thunes. Donc forcément, ça s'essouffle par ça. Ça s'essouffle aussi par la violence qui est terrifiante, parce que tu n'as pas envie d'être dans la rue et puis de te faire buter. On sait jamais. Comme ça, sans raison. Donc il y a ça, mais sinon, mais je sais plus la question, merde. Moi non plus. Il y avait une question. Oui, je parlais juste de la grève, en fait. Ouais, la grève. Donc la grève. Non, je pense que voilà, ils ont déjà pas de thunes, donc faire une grève, ça va être encore plus difficile pour eux à tenir sur le long terme. Donc je pense que ouais, boycott économique, les banques. Un bank run, quoi. Ouais, un bank run. Proposé Cantona en 2010. Voilà. Mais samedi dernier, il était question d'un bank run et je n'ai pas entendu de suite ou de rien du tout. Mais je sais que l'étranger était à fond sur « Oh, les Français vont faire un bank run ». Ah bon ? Ah, j'ai pas entendu parler, mais eux, ils étaient motivés. Mais ce serait la solution, clairement, c'est la solution. Tout se pète la gueule. Arrêtez de payer vos impôts, ça se pète la gueule. La difficulté, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'ouvriers dans le mouvement et qu'ils sont déjà dans le rouge à la moitié du mois. Voilà, donc c'est vraiment ça. Difficile de le faire, je pense. Voilà, ils peuvent pas faire la grève, peuvent même pas se déplacer ici, dans les villes où il y a des manifs. Je veux dire, c'est super vicieux, quoi. Mm-hmm. Donc, on ne lâche rien. Éric Drouet, c'est incroyable, tu vois la police politique, la tyrannie, la dictature macronienne, mais et tu peux rien dire. Je prévois de faire une vidéo sur les gilets jaunes, best-of, où on aura évidemment toutes les agressions, on aura la véritable version qui est que la police a toujours été l'agresseur depuis le début. Et je vais présenter ça comme si j'étais russe. Écoutez-moi, je suis en situation de détresse. Dans mon pays, il se passe ça. Poutine nous fait ça. Les gens perdent leurs yeux. Nanana, je vais montrer tout. Et puis en fait, ah mais regardez, en fait, non, c'est pas la Russie, c'est en France. Moi, je suis française. Et c'est en France que ça se passe, tout ça. Alors s'il vous plaît, parlez-en, parce que...
C'est tellement facile quand tu vois le monopole des médias, ils peuvent te cacher tout. Tout ce qu'ils veulent cacher, ils peuvent le cacher. Des scandales, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a des scandales pédophiles en Angleterre, des réseaux de traite des blanches, littéralement. Qui en parle dans les médias de masse? Vous avez entendu parler de ces trucs? Non, mais je demande aux gens qui nous regardent, est-ce que vous savez qu'il y a de la traite des blanches, des fillettes qui se font violer par des groupes de 20 hommes, 30 hommes, 40 hommes, et qui sont dissimulés par les services sociaux? Est-ce qu'on pense ça possible? Non, personne ne le sait. Ils sont obligés de le cacher, parce que si les gens le savaient, ça pèterait. On n'est pas tous des dégénérés à ce point qu'on tolère ce qu'eux adorent. Non, nous, ça pèterait. Donc, aucune confiance dans les médias. Il y a eu un reportage dans les années 90 qui s'appelle, je crois, Meurtre d'enfant, la fin du silence. Donc, c'est de Élise Lucet. Oui, tout à fait. À ses débuts. Mm-mm. Et c'est vrai que ce genre de reportage, si c'était vraiment diffusé massivement, les gens peut-être montraient vraiment... Parce qu'il continue d'y avoir des enlèvements d'enfants qui disparaissent quelques jours. Comme ça. Avait eu l'obligation de ne pas en parler. Oui, voilà. Il y a peur que ce soit raciste. Exactement. Ouais. Il y a un reporting ban, c'est-à-dire que tu as une actualité que les journalistes n'ont pas le droit de commenter, alors que c'était un procès, tout ce qu'il y a de plus normal, je veux dire. Et les témoignages qui sont ressortis de la bouche de ces fillettes sont des abominations. Si les gens savaient ça, évidemment, là devant le procès en question, où il y avait 4 mecs qui étaient jugés pour de la traite de blanches de 30-40 gamines. Bah, il n'y avait personne, parce que les gens ne le savent pas, reporting ban, et le mec qui a reporté sur l'histoire s'est fait foutre en tôle. Parce que le réseau en question duquel je parle, c'est un réseau qui est islamique, mais les autorités, les services sociaux qui ont couvert, ceux-là, sont des, ceux-là je le dis, j'ai pas peur, ce sont des pédophiles, mais qui sont bien de chez nous. Je veux dire. Et c'est aussi pour ça qu'ils couvrent les autres, pas savoir si on ne recherche pas, parce que l'information est tellement peu disponible.